Bah, salut José Lito. Hey, salut Philippe. Hey, comment ça va Qu Qu'est-ce t'as foutu cette semaine ah bah, bah, cette semaine, écoute, une grande semaine d'emménagement. Donc euh, j'ai continué après la cuisine. Comme la semaine dernière. J'ai continué. Comme la semaine dernière. C'est long, hein C'est un process assez long qui demande une dizaine de jours, entrecoupé de, 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 enfin, de missions clients. Euh... Non, toi c'est plus souvent, mais moi c'est... C'est pas tout le temps, et c'est fort heureusement, mais c'est génial. Alors, euh, ceux mets, qui n'auraient pas combien suivi... De fois ah, combien de fois t'as des... Moins qu'avant, on dirait. 4. Sans compter les, les, petits, bon. euh, les petits séjours. Quatre bon. plus vacances, plus séjour euh, famille, amis. Moins qu'avant. Moins qu'avant Moins qu'avant. Qu non. Normal. Non. Normal, Normal Mo moins, moins, moins loin En termes de fuseau horaire c'est un peu plus stable quand même. Ah oui, oui, ça va. Ah oui, ah c'est oui. ah oui. <laughs> vrai. C'est un c'est ça. C'est ça, c'est KPI, <laughs> Philippe, c'est le... son nombre de fuseau. <laughs> je sais pas ce qu'on bah écoute, moi j'ai déménagé bon, de 300 mètres. Tu nous Alors, disé, que ouais. pas Ah oui, et toi, tu as déménagé de 300 mètres. Moi, j'ai déménagé de 300 mètres. Conclusion, que tu fasses 300 mètres ou 300 km, c'est le même bordel. Euh, c'est un déménagement ouais. et un emménagement. <laughs> il, y a, il y a des petites subtilités, mais, mais globalement, si, si tu prends euh, en, en macro quand même, c'est que tu, tu dois mettre des choses dans des cartons et après tu dois euh, transporter ouais. ces cartons et ces meubles et machin. Et, si et tu ensuite, tu un dois C'est c'est moins gênant parce qu'effectivement, 300 mètres, euh, on a fait des petits allers-retours tranquilles. Il y a eu quelques pétouilles parce que c'est un déménagement, mais effectivement, ça allait. Mais, mais en fait, ce qui, a été, euh, ce qui est très, très intéressant, donc euh, on a un immeuble de 16 étages, enfin 17 étages. Euh, c'est un duplex en haut, c'est ça Il y a un duplex en haut, avec un penthouse, une bassin de nage et un jardin, et un solarium et whatever. Euh, c'est l'immeuble le plus haut de la ville et y il y a 76 logements. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a 76 personnes. Il faut imaginer pour un José Lito euh, euh, petit-fils de concierge que c'est juste le kiff total. Euh, avant j'avais trois voisins, maintenant j'en ai 76. Alors, euh, pour... <laughs> non, si, si vous aviez besoin est... d'une définition pour le mot extraverti. <laughs> ah ouais, si tu veux savoir, euh, 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 hier soir ma voisine m'a dit... Euh, alors, il va y avoir le syndic et tout, machin, la copro. Toi, t'es président, c'est sûr, je te vote pour toi. J'ai quand même. Euh, je me suis retrouvé dans l'ascenseur. Tu sais, il faut des icebreakers en permanence, d'accord Il y a deux cages d'ascenseur, donc ça va de. Moi, je suis au quatrième étage. Donc, en matière de small talk, tu vois, en matière de pitch elevator, je n'ai que quatre étages sur 16. Il faut que j'aille vite. C'est ouais, un très bon training permanent. 4... Et là, je me retrouve avec quatre personnes dans mon ascenseur. Et le truc très drôle, c'est que. Il y a une personne qui clique. Et alors, on il faut imaginer le tableau de l'ascenseur. C'est des, des boutons ronds avec les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, machin jusqu'à 16. Ça fait un espèce de carreau. Et là, il y a une personne qui clique, une autre, une autre. Et je leur dis Oh, c'est cool. Maintenant, on va faire des morpions dans l'ascenseur. Là, tout le monde te regarde, les voisins te regardent, commencent à tilter. Et bien puis, bien il y a un chaud. monsieur qui, a, qui entre à la dernière minute. On lui retient la porte. Il casse la ligne. Il est au 14e étage et je lui dis euh, <laughs> Ah non, non, c'est pas, pas possible ça. Le gars te connaît ni d'Adam ni dèvres, tu sais, on est tous nouveaux. Je dis Ah non, non, là, c'est pas possible. Il me regarde, il me parle. Je dis non, il faut déménager d'un étage en dessous, regardez, vous avez cassé la ligne. Il explose de rire. Et là, je les regarde tous, je leur dis Eh, vous savez quoi On pourrait faire un loto de l'immeuble et puis si on gagne 100 briques, on partage. <laughs> voilà. Euh... Pas mal. Donc, Madame ça Colombo m'a dit on était mais... à table dans un resto pour un... Soirée de Noël avec un client et euh, c'était pendant les Gilets jaunes, c'était en Espagne. Donc, une partie de l'équipe venait d'arriver de France avec trois heures de retard à cause des Gilets jaunes. On mange, on mange. Au bout d'un moment, il y a un couple qui rentre et ils étaient venus en moto, je crois. Donc, ils rentrent pour passer une commande au comptoir et ils avaient. Non, non ils étaient même pas en moto, ils étaient juste il y avait des doudounes jaunes fluo en fait. Et alors, à un moment, il y en a un qui Ouh, les remarque là. et qui fait ah oh bah non, pas les Gilets jaunes <laughs> C'est <'était> en Espagne. <laughs> et toute la table regarde et on voit les deux et on voit le jaune pétant et ça faisait vraiment gilet jaune et du coup toute la table explose de rire Ouah parce qu'il y avait que des français ou presque il y avait peut-être des espagnols dans le groupe <laughs> le, le couple le regarde qu'est-ce que c'est problème <laughs> est, ouais, quoi et du coup ils dit ah tu pètes ah Maria ça et, es et essaient d'expliquer tout en se mettant comme des oh, mais c'est trop non euh, mais, mais, mais je pas je, je C'est le groupe qui je... est parti d'un coup, c'était pas mal. Non, non, mais c'est très rigolo parce qu'en plus. Non, mais je raconterai ça une autre fois, mais ah, allez, il y a un truc, on ne sait pas si c'est légal ou pas. J'ai hérité d'une place de parking. Je suis propriétaire d'une place de parking handicapée. C'est bizarre. Bah, c'est bizarre, mais vraisemblablement. Tu bah, bah, jours. Le promoteur fait qu'il reste des places de parking et tu as pris le lot avec. Tu as dit, vous voulez une place de parking bah ouais, il reste celle des places handicapées. Comme il n'y a pas d'handicapé dans l'immeuble, elle est pour vous. Et il y a un handicapé qui se gare sur ma place de parking. Et Morgane me dit euh, « T'as fait quoi ?» bah J'ai mis, mis un petit mot, j'ai mis un petit mot, attention, voisin méchant, euh, en vous stationnant euh, là, vous prenez le risque euh, euh, d'aller profiter d'une promo chez Norauto sur les pneus. Et Morgane me dit « T'as pas mis ça ?» <laughs> J'ai dit « Si, si, j'ai mis ça, un direct. » Et malade. après j'ai mis un papier, j'ai mis « Plaque d'immatriculation euh, ». Changer de case avant midi, mon numéro de téléphone, à 11h59, je suis passé, la personne s'est décalée d'un cran. Je lui ai dit, attends, faut prendre des bonnes habitudes de suite. Tout de suite, faut placer les bons trucs. Mais bon, ça c'était le détail. Ouais, ouais, il faut faire pipi sur son territoire. Non, je n'ai pas fait. J'ai réfléchi sérieusement en disant par quel coin je commence. C'est très rigolo. Non, non, franchement, c'est passionnant d'avoir plein d'humains qui arrivent en même temps. En termes d'expérience, c'est la définition de, du charme. Hein. C'est le, le mec qui, euh, qui insulte les gens, mais les gens le prennent bien. Et, et le nerd, c'est l'inverse. C'est le, le mec qui, qui est gentil avec tout le monde, mais. Euh, et ça part Ouais, ça. Ben, je suis un mec méchant. Qui insulte les gens, sans bien. Le Donc voilà. voilà. Ben, en fait, j'ai. Allez, revenons à nos, à nos moutons, parce que c'est délirant. Euh, c'est pas tous les jours que tu aménages. c'est la deuxième fois de ma vie que j'arrive dans un immeuble tout neuf. Tout neuf. Donc je sais qu'il y a des trucs qui ne marchent pas, qu'il y a des trucs qui te pètent à la tronche, ça, ça fait partie du lot, il y a des réserves, il y a des tas de bricoles qui se passent. Et en fait, ce qui était le, 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 là, le, le, le truc, c'est que c'est un smart building. Donc ça a été vendu comme tel. Le promoteur te dit, vous allez vivre, vous achetez ah, un appartement ils te <laughs> dans un smart building. Et toi, tu dis, putain, un smart building, mais c'est quoi un smart building Là, tu tu... Enfin... un truc à subvention, t'inquiète, aux tout ça. Donc, tu dis, ok, bienvenue dans un smart building. Euh, et là, alors, ce qui est, ce qui est vendu, c'est un peu comme l'épisode précédent avec ma cuisine il y a ce qui est vendu, puis il y a ce qui est livré. Et euh, dans ce qui est vendu, le smart building, c'est quoi C'est un, un système de, de conciergerie dans l'immeuble qui fait que tu as des, des, des lockers à l'entrée de l'immeuble. Et euh, bah, si tu veux, par exemple, par exemple, emmener ta chemise au pressing, tu la mets dans un locker et tu dis au service emmène euh, ma chemise au pressing, euh, achète, fais mes courses, fais machin, fais bidule. Et tout est dans un grand, grand locker à l'entrée et tu récupères tes ouais, affaires. smart. Ça, c'est smart. Ok, très bien. Euh, L'autre truc smart, c'est euh, un réseau social interne. Il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de concierge. Donc, bah, tu, tu as une espèce d'application. moins à l'aise que toi dans l'ascenseur. Tu signales qu'il y a des problèmes, tu fais des petites photos, machin. Et puis, il y a une communauté, machin. Il euh, y a tout un tas de trucs qui disent, euh, tu peux parler avec tes voisins via une espèce de réseau social interne. Ok. D'accord. D'ailleurs, ton euh... voisin bruyant, tu l'as ajouté en ami ou pas encore Ah non, tu, 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 je vais t'en parler. Ça C'est très drôle de, à 1h30 du matin, là, pourquoi je n'ai pas dormi cette nuit. Donc, tu as tout ça. ça se voit pas et, et tu as la domotique. Les volets roulants, le truc, euh, les lumières, éclairage progressif, euh, consommation d'énergie, blablabla, blablabla, blabla, très bien. Il y a tout ça. Euh, tu dis super. Puis l'espèce de climatisation euh, avec euh, des petits boîtiers euh, dans chaque port, euh, chaque euh, pièce, qui te dit tu mets plus chaud, plus froid. Euh, c'est pas de la clim, c'est de l'air, c'est de l'air chaud, air froid, mais c'est pas de la clim. Bon, bref, ça fonctionne plutôt pas mal. Tu as tout ça. Smart building. Alors, tu arrives dans ton smart building. Et quand tu es un José Lito, bon, la cuisine, ça se passe. Mais c'est pas ça qui t'excite le plus, en fait. Ce qui t'excite le plus, c'est tous les petits boîtiers, les trucs électroniques qu'il y a dans ton immeuble. Smart building. Alors, le smart building, tu t'aperçois que le premier jour, quand tu as 76 personnes qui déménagent, c'est tous des cochons. Les déménageurs n'ont rien à foutre. Donc, tu as le, le promoteur, tu as le constructeur, tu as tous les corps de métier, tu as Encore le gestionnaire de l'immeuble encore une chaîne de valeur, tu as les habitants, et euh, tu as toutes les petites startups qui ont gravité autour pour que le building y soit smart. Donc le, pro, le, le, le promoteur, une fois qu'il a, a promu le truc, il a, il a pris ton chèque, cassos, il a bien promu. Pendant un mois, tu as un petit truc qui s'appelle SAV promoteur, mais rien de plus. Okay. Et là, ça commence ça à être le grand game. Euh, oui, ouais, ça s'appelle, vous euh, savez, euh, nom de l'immeuble, euh, promoteur, machin. Ouais, C'est Vinci qui, qui a construit. Euh, et donc, tu commences par faire les petits trucs. Euh, vous avez oublié de me mettre l'électricité. Il euh, y a de la domotique, mais ça ne marche pas, etc. Et là, on a quoi alors On a euh, le syndic qui commence à mettre des petits papiers partout. Essayez de paniquer les ascenseurs. Essayez de ne pas casser des trucs. Évitez de mettre des coups dans les, dans les miroirs. J'ai plein de miroirs. À tous les étages, il y a plein de miroirs. Et maintenant, je sais pourquoi il y a plein de miroirs. Euh, je me demandais, je dis, mais, mais à tous les étages, devant l'ascenseur, tu as, t as mais, euh, 5 mètres de miroir. C'est un truc de ouf. Et c'est encore Stéphane Callot qui m'a donné l'explication. Il m'a dit, José Lito, est-ce que tes ascenseurs sont lents Je dis, ah ouais, ouais quand ça va du 16e jusqu'en jusqu bas, c'est lent. D'accord. Il me dit, bah en fait, euh, aux États-Unis, ouais. il y avait un ascenseur X qui avait ce problème-là. Euh, ils ont essayé des algos, des machins, d'intelligence, tout un tas de trucs. Et puis, il y a un type qui a dit, euh, t'embête pas, mets juste des miroirs devant l'ascenseur. Et pendant que les gens, ils se tripotent les trous de nez, les poils, les sourcils. Voilà. À la base, c'était dans l'ascenseur, cette affaire. C'est pour ça qu'il y a des miroirs dans les ascenseurs. Si il y en a aussi long, dedans. Tu peux en mettre aussi à l'extérieur. Alors, il y en a dedans, mais il y en a dehors. Et effectivement, pour de vrai, Stéphane me dit ça et j'observe mes voisins, j'observe le truc le et je réalise que personne quoi. Personne ne s'ennuie. <laughs> et personne dit rien sur l'ascenseur, c'est fantastique. On n'est jamais là, On a ça. Se et au moment de l'inauguration de l'immeuble, en fait, j'ai croisé les startups et je leur ai dit Mais euh, euh, ouais, c'est bien votre truc là de réseau social interne, mais on s'en tape. Et la nana, un peu vexée, me dit euh, Coucou la mouche, mmh. me dit Comment ça, on s'en tape je dis mais non madame, euh, c'est bien votre idée de, de réseau social interne, mais on va mettre des petits papiers et euh, on va se parler, ça va suffire. Ah non, non, vous Encore allez voir. Encore Stéphane Calot, le management visuel. C'est beaucoup plus smart. Résultat des courses. J'ai eu la dame au téléphone hier. Elle dit oui, vous avez laissé un message et tout. Je dis oh, oui parce que j'ai un problème avec la domotique et je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la start-up qui s'occupe de la domotique. Je ne sais pas si c'est le promoteur. Je ne sais pas si c'est l'électricien. Je ne sais pas si c'est le domoticien. Je ne sais pas qui, mais ça ne marche pas. Euh, ah ouais, alors, en fait, non, c'est qu'entre start-up, nous, on s'appelle pour se dire et on se renvoie les messages. Je suis ah, d'accord. Donc, vous m'avez mis une espèce d'application <laughs> pour. Vous n'avez pas avoir... raison entre vous. Vous <laughs> n'avez pas raison sans entre vous. Elle me dit, mais euh, non, mais c'est super efficace. alors, Vous savez ce qui se passe Je vais vous dire. Il y a un mec qui s'est garé à ma place. J'ai mis un petit mot agressif. Il a bougé de place. J'ai pas utilisé l'application. Euh, cette nuit, j'ai pas utilisé les phéromones. <laughs> cette nuit, je l'aurais pas fait. Cette chimique. nuit, à une heure du matin, j'entends boum, boum 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 et je me dis oh, mais il y a une semaine, il y avait déjà boum boum toute la nuit en fait. Ah Merde, c'est le même voisin qui fait boum boum. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis sapé. <laughs> je suis descendu à 1h30 du mat. Et euh, je me suis sapé et je suis arrivé au premier étage. Je dis hey, Bonjour voisin, euh, c'est vous qui mettez du son Ouais, mais on est en train de. Alors je croise mes deux voisins avec une perceuse et tout. Ouais, mais on est en train de faire la crémaillère. Bon, alors je t'explique. Ok, il est 1h du matin. Euh, tu fais pas la crémaillère avec ta perceuse. Je ne sais pas si tu... ce que tu fais, mais en tout cas. Il prend la contre... crémaillère <laughs> Je lui dis Par contre, par contre. J'ai rien contre la techno, mais là, il est une heure du mat. Moi, je ne peux pas dormir. Hyper Et le gars me dit euh, Ah, ça fait du bruit. Résultat des courses, on a tapé la discute. Euh, C'était sympa, on a fait connaissance. Euh, toujours pas d'application, d'accord euh, La dame me dit Oui, mais regardez euh, avec le, la relation avec le syndic. Bah, je fais, on a tous son 06 au mec du syndic. On lui a tous sauté dessus. <laughs> lui, pris de panique, il a donné son 06 à tout le monde. Et la nana me dit. Il y avait un dit... bar -bar attaque sur le. Un WhatsApp aussi. Il y avait un bar, -bar attaque d'ailleurs sur. Euh, c'est qui cette boîte qui fait les, les relations syndiques justement, la digitalisation euh. Ça avait l'air pas mal d'ailleurs. Mais ouais, vas-y, continue. C'est peut-être. Comment ça Ah, vrai la... su... Ouais, j'en ai parlé avec le gars du syndic. Ouais, euh, euh, bah même bah même. là, non, c'est un syndic très classique qui s'appelle Citia, qui est dépassé par les événements. Là, le mec, <laughs> la non, nana me dit Oui, mais s'il y a un incident, euh, vous allez être 15 à lui envoyer un SMS Bah ouais, <laughs> il se réveille à plus. Vite. J'en ai rien à foutre, ça c'est pas mon problème, c'est le tien. <laughs> <ans sur rire> <problème>. ouais. <laughs> il, il y a des plus 1 sur un ticket. Résultat des courses. Qu'est-ce qui se passe Non, non, mais je vous montre l'application. En fait, je sais pas si on va la voir. Il y a une espèce d'app comme ça pour tous les trucs qu'on voit pas très bien, mais c'est marqué. Ça, a euh, pas mal, ça a pas mal. marqué accès, eau, de chauffage, électricité, local à vélo. Sauf que accès pour le même incident. Il y a trois tickets identiques de trois personnes différentes parce que les gens ils les pas en fait. C'est pour ça qu'il y a un statu merge, mon cher. Mais ça veut dire que tu as bien quelqu'un derrière non. qui va faire du backlog grooming. PO, M... Ça, ça s'appelle un MVP. On va en <laughs> parler du Product Owner aujourd'hui. Mais ça s'appelle un MVP. Résultat des courses, j'ai ça. Après, j'ai la domotique. Euh, non, parce la que ce un, finalement... un problème de c'est un problème de personne, de process. C'est-à-dire que le backlog grooming… Jusqu'à ce qu'on ait une IA qui fasse le job, il y a bien quelqu'un qui doit dire ça, c'est le même problème, donc je merge. Euh, donc pas mais le mais, qui mais va Philippe, j'ai rien, j'ai aucun feedback, je ne sais pas si c'est pris en compte ou pas. Donc qu'est-ce que je fais Je fais le petit ticket. C'est pas un problème de logiciel. Qu'est-ce que je fais Moi là, quand, quand j'ai mon, mon déménageur, que ma porte d'entrée elle est verrouillée parce qu'il y a une ventouse électromagnétique qui bloque, j'envoie pas le petit ticket. J'appelle, j'appelle le syndic et je lui dis mec. Si dans 10 minutes, il n'y a pas quelqu'un, d'accord Quand on va parler de te donner de l'argent, on va pas te donner l'argent. C'est fini, tu vas dégager. Next Comment on fait Mais le type qui, en plus, est sympa, il déboule et il fait le job. Je me suis retrouvé à 22h dans mon parking il m'a expliqué tout le fonctionnement de l'immeuble. Il est, il est vraiment il est efficace, le gars. C'est un humain. Euh, la domotique, c'est pareil. J'appelle je tombe sur un pimpin qui me dit Monsieur Tirados, il y a un intégrateur qui va passer pour former des gens dans l'immeuble. Je dis, il va passer quand? Dans 15 jours. Mais moi, je suis un gosse impatient. Mon cadeau de Noël, je le veux maintenant. J'ai payé now. Je veux pouvoir à la voix piloter mes volets roulants, rentrer dans le 21e siècle. Dans 15 jours, si ton pimpin y passe, il va trouver porte close. Ah, euh, résultat des courses, histoire vraie. Hein. Le CEO de la start startup m'appelle et le gars il me dit bla 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 bla. Et je lui dis, gars, c'est quoi? On va faire un truc simple. La bière, t'es plutôt blanche, blonde, ambrée, IPA. Euh, blanche, ok. 18h30 ah, ce soir, ça te va Le gars me dit... Deal. La, la blanche je avec suis... des plats végétariens, faudra me convaincre. Je suis allé... Ouais, je ne l'ai pas invité à bouffer la je blanche bouffer. Avec Déconner, du hein. Il est arrivé, la bière était au frais, on a parlé pendant deux heures et le gars m'a expliqué le fond du truc. Il me dit, je dis, c'est quoi ta connerie Pourquoi t'es une start-up qui vient faire le... le, le... Pourquoi t'es là en fait et en gros, il me dit, bah moi, je suis le tampon qui te permet de dire au promoteur qu'il est smart. <laughs> je suis le tampon domotique, c'est moi qui valide le projet, etc. Comme hein. ça, l'autre shop la subvention aux j'en récupère une partie. Voilà. J'ai dit, mais pourquoi il pourquoi y a un intégrateur qui passe Il passe parce qu'en fait, entre les différents standards, les Le Grand, les NetAtmo, rachetés par Le Grand, les machins, les trucs-trucs, les Schneider électrique, il y a... Zéro truc, il me dit les standards sont en train d'arriver fin d'année. Et je dis pourquoi les standards arrivent fin d'année Il me dit parce que là, il y a les gars femmes qui sont en train d'arriver et eux, ils sont en train d'arriver avec du service de ouf, mec. Alors j'allais y venir parce que figure-toi que grâce au parapente, j'écoute beaucoup de podcasts. Parce que le parapente, c'est 10% de vol, 90% de trajet et d'attente. Et récemment, il y a eu euh, le fondateur de Nest, qui est un ancien d'Apple et encore ouais. un ancien d'autres choses avant. Euh, et qui expliquait. Alors, il euh, n'y a, a pas si longtemps, tu m'as dit, euh, ou, ou quelqu'un avec qui tu travailles m'a dit, euh, machin, responsable marketing produit euh, qui s'occupe des contenus. Je suis tombé de ma chaise. Et donc, Tony Fadel fait sa tournée parce qu'il a fait, euh, il a fait des, euh, un livre. Donc, j'ai écouté trois podcasts de Tony Fadel en deux jours, ou en, en une journée, je crois. Et des longs. Hein. Donc il y avait Tim Ferriss, Lex Friedman et euh, James Altucher. Donc on en a appris des belles. Et j'ai bien aimé parce qu'il y, y a quoi Il y a un an à peu près, j'ai découvert le, euh, la méthode de Working Backwards d'Amazon dans le bouquin du même nom. Et ils ont une méthode qu'ils appellent PRFAQ en bon français, <laughs> Press Release NFAQ. Et Fadel se dit exactement la même chose. Euh, lui il a appris ça chez Amazon. Chez Amazon. Chez Apple pardon. Donc indépendamment, Apple et Amazon ont la même approche. C'est aussi ce que nous, on décrivait dans nos webinars, il y, a quoi, il y a deux ans à peu près, quand on avait fait retourner l'entonnoir, et Start with Humans. Les liens ci-dessous. Et donc, qu'est-ce qu'il te dit Il te dit, il te dit bah, ça marche pas le marketing. Lex Friedman n'aime pas trop le marketing, donc il lui disait, mais pourquoi le marketing, ça marche Pourquoi ça ne marche pas Et Fadel te dit, bah, avant ça, avant Apple, moi, j'étais dans des boîtes d'ingénieurs. On en était là, on créait des trucs géniaux. Et après, on demandait au marketing de nous les vendre. Et le marketing disait cool, euh, ça fait un truc. Ouais, pourquoi fais, Bah c'est cool, ok. Bon bon, on va le vendre. Et donc les mecs disaient « bon bah, marketing. Moi je suis marketeur, donc je, ils écrivent une histoire parce que les Américains donc ils savent faire du marketing. Ils écrivent une histoire, puis l'histoire elle colle pas trop au produit en fait. Et donc ça marche pas trop. Et donc il a foiré pas mal de boîtes. Il a quand même fini chez Apple. Et là il a réussi. C'est lui qui a fait l'iPod, c'est lui qui a fait l'iPhone, c'est lui qui a fait pas tout seul évidemment, mais il était vraiment au cœur. C'est vraiment lui qui a lancé l'iPod si tu veux. Enfin, L'idée de l'iPhone, okay. il, il a conçu le système, il a fait le proto, il l'a pitché à Steve Jobs, etc. Et donc lui te dit bah, c'est ça le marketing produit, c'est créer le why et arrêter de faire du what. Les ingénieurs font du what et euh, les marketeurs font du why. Et on l'a on souvent dit ici le marketing, c'est aussi le produit. Si on fait les 4 P du marketing, qui est un, une, une des tartes à la crème des écoles de commerce, il y a le P, P produit c'est peut-être la partie la plus importante du marketing. Et puis on pourrait revenir aussi sur Peter Drucker, les principes premiers du marketing, créer un client, et euh, ça c'est le marketing, et innovation qui est l'autre fonction de l'entreprise, qui est créer le produit. Dit autrement. Donc on l'a dit plein de fois, créer le client, créer le produit. Et, et Tony te dit, bah, et ça va ensemble, et j'ai toujours dit aussi, euh, et ça va ensemble comment Et bien bah, ça va que l'histoire, donc le marketing, vient avant le produit. Et il ne vient pas avant le produit avec une petite histoire, blablabla. Bla bla. Il vient avant le produit avec quoi Avec des jobs to be done, avec des pain points. Et comment tu formalises ça bah Pas avec des personnes à la con, mais avec ce que lui appelle un communiqué de presse et ce que Amazon a carrément créé. Euh, c'est un template, c'est un type de document standard chez Amazon, ça s'appelle le PRFAQ. PR pour Press Release, donc PR. Et, euh, ils font le communiqué de presse avant toute chose. Et chez Amazon, quand ils ont fait AWS, ils ont écrit des communiqués de presse pendant presque un an. Et c'est les foutus ingénieurs qui écrivaient les communiqués de presse. Les mecs pétaient un plomb. Ils allaient voir Jeff Bezos et lui disaient Mais attends, attends, attends. Euh, tu sais qu'on est payé très cher parce qu'on sait écrire du code. Et tu fais, ouais, ouais, mais les mecs devaient écrire des communiqués de presse pendant un an <laughs> jusqu'à ce qu'ils aient un communiqué de presse parfait. Et c'est quoi ouais. ce communiqué de presse C'est la définition du produit du point de vue de comment tu vas le présenter au monde. C'est l'histoire de pourquoi il faut ce produit. Donc c'est le why. Et derrière les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font Ils doivent créer un what qui fait que ce why devient vrai. Working backward, comme ils disent chez Amazon. Et il disait chez Steve Jobs pourquoi l'iPhone. Vous avez vu la présentation de l'iPhone Si vous l'avez jamais vu, je vais vous mettre le lien en dessous ah parce ouais. que c'est la, Tu, tu l'as vu Tu t'en rappelles un Bah peu en live. <laughs> en live, je l'ai vu. C'est vrai Je l'ai acheté. Ah oui, bah oui. Ah mais je l'ai un... vu en live. Je l'ai acheté je, euh, tout je, je de suite. Un... Je l'attendais tellement te longtemps. Euh, tu te rappelles du début du, de la présentation Je, je, je l'ai plus en tête, mais euh, mais euh, non, je l'ai ah plus en tête. C'est culte. C'est culte. En gros, il commence avec. Pas On est là aujourd'hui, pour, exactement, pour annoncer. Ouais. <laughs> ouais, nouveaux tu vois, produits. je m'en souviens. Putain, man, je m'en souviens. Trois euh, Et attends, trois nouveaux produits. Trois nouveaux produits, euh, c'est ça. Un appareil musique machin, comme l'iPod. Mmh. Euh, les gens sont là... Euh, bon, ça, ils savaient, ils avaient déjà l'iPod, c'était le plus grand succès. Donc, nouvelle version de l'iPod. Un appareil mmh. musical. Un appareil de communication qui tient dans la poche. Donc, tout le monde se dit, ah cool, un palm, quoi, tu vois. Et après, il fait... Et mieux que ça... Un téléphone, et tout le monde est là, ouais. un téléphone portable chez Apple. Ok, il fait. Voilà, aujourd'hui, trois produits. <laughs> un wow. truc à musique, un communicateur internet qui tient dans la poche, et un téléphone. <laughs> et les gens sont là, ouais. et lui, il fait. Un iPod, un truc qui tient dans la poche et qui va sur Internet, et un téléphone. Et il leur dit encore une fois, encore plus rapproché. Là, les gens commencent à faire, qu'est-ce qui lui arrive Il leur fait une autre fois, il fait, do you get it It's one product. c'était la bombe atomique. Et c'est pas sorti de nulle part, c'est sorti deux ans de développement. Pendant deux ans, tous les gens à qui il parlait, il leur dit, on va faire un truc. Et tu sais, en marketing, c'est le péché capital. C'est la façon la plus pourrie de faire... Euh, de faire du marketing c'est de dire bah ça fait ça ça et ça et c'est un seul truc c'est nul mais là c'était génial pourquoi parce que tu avais un putain d'appareil photo t'avais un foutu téléphone tu avais encore ton ordinateur pour aller sur internet dans la valise et encore je sais pas et l'iPod encore dans la poche ici ça c'était des vrai point point il fait d'avoir tout ça en un là as un vrai why je veux un, un truc qui fait tout et, euh, et voilà donc ils ont fait ce en gros Steve Jobs c'est fait la présentation à tout le monde et dans sa tête pendant deux ans de développement et chaque fois qu'il allait voir ce qu'avait fait l'ingénieur il avait exactement cette histoire dans la tête et, et à chaque fois qu'il donnait un avis capte il n'avait pas histoire les gens qui l'ont raconté mais c'est mais Philippe tu le tiens c'est à dire que là en fait ce qui s'est passé ils sont tombés sur un José Lito qui fait du jobs to be done qui pense que comme ça et qui dit au gars mais pourquoi le, le, le angelo qui est venu mais ouais Angelo arrive et je lui dis mec pourquoi tu es là putain je, je, pourquoi tu es là J'envoie un petit message sur LinkedIn. J'appelle quelqu'un, je tombe sur quelqu'un de ton service client. Euh, je fais le mec un peu con, mais gentil. Euh, et tu déboules, tu as le smile, t'es pas venu boire une bière, gars. T'es silo d'une boîte, pourquoi tu viens chez moi Deux heures. Le problème, on l'a réglé en rien de temps. Hein, rien de temps. D'accord Le gars me dit, José Lito, c'est juste que euh, euh, les produits Legrand, ils ont racheté Netatmo. Le mec de Netatmo, il a filé chez qui Chez Apple. <laughs> il est arrivé chez Legrand, il a vendu sa boîte. Il a dit, vous savez quoi, je me casse, Vous des mongolas. Il a je filé direct chez Apple. Je veux bosser avec des bons. Allez, Résultat des, des bon, courses, bon. le truc, c'est que le gars me dit, mais José Lito, tu as un iPhone. Et pour installer ton bordel de domotique, il faut un Android. Je dis, mais je ne touche pas de ces trucs-là, c'est le diable, j'en veux pas. Et là, Super, il commence oui. à m'expliquer qu'il faut que j'utilise une, une application, le grand. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai des HomePod, j'ai tout ce qu'il faut, je suis Apple dans le sang, je l'ai tatoué dans le dos en grand, et tu me dis qu'il va falloir que j'utilise Android. Mais tu sais quoi, je vais débrancher toutes tes prises, je vais te mettre ça dans un carton, je vais te les jeter dans ton burlingue, et je vais péter un scandale. Il était mort de rire, et on discute de ça. On a terminé la conversation sur. José Lito, je galère. Je sais jamais à quel moment. Il me dit ah, mais tu as, un, un, as eu un mail et un appel de courtoisie. Je fais Quand tu m'as appelé, là ton appel de courtoisie, j'étais le nez dans les cartons, ça m'a saoulé. Et il me bon dit C'est le truc le plus compliqué pour moi. On estime que c'est environ cinq semaines avant. Sauf que le Frankenstein, sauf que le promoteur lui me prévient à la dernière minute de la la date de livraison des appartements. Donc mon cinq semaines avant, des fois c'est huit, des fois c'est trois, je sais jamais. Donc et ça tombe des fois lire. juste, des fois à côté. Le et gars là, il livre encore plus 400 long, projets, il a tous les promoteurs de France, et Navarre, hein. Bouygues, okay. Vinci, euh, les grosses boîtes. Le gars me dit, je délivre 400 projets par an, j'arrive pas à tomber juste. J'ai mis HubSpot, je l'ai dégagé, ça m'a saoulé. T'as as un problème qui est plus profond là. Qui est le client, qui est le client de quoi Alors je lui pose ce, la ce question. Il vais... est là parce qu'il y a un promoteur qui a besoin d'avoir Smart sur son building. Mais ce Et son site internet n'est que, que ça toi... Et ce, ce promoteur, c'est un promoteur, c'est pas un opérateur. Donc il n'a pas besoin que toi, tu passes un bon moment dans l'immeuble. Il a juste besoin que tu l'achètes. Son métier, c'est de le vendre, c'est pas de, de te faire vivre oui. dedans. Oui. Donc c'est-à-dire que oui. ce mec avec sa start-up, il n'a pas de client. Son client, c'est de mettre Smart sur le Mobile Building. Et le mec qui t'a vendu le oh. Smart Building, son produit, c'est que t'achètes le building, c'est pas que tu vives bien dedans. Donc si tu veux personne... Et là, je dis mais, eh, gars. là, si demain, tu vas commenter le Smart Building, c'est débile, ça marche pas sur Android, sur Apple, ça fout. Ça euh, fout. qui va ne pas acheter un appartement parce Rien. que tu as posté ça quelque part Personne. Personne. Voilà. Sauf vous que, vous que le gars, je dis une économie eh. qui n'existe pas. Je dis gars. Le problème, c'est que là, toi... Pourquoi tu viens avec un intégrateur Il me dit parce que c'est tellement la merde que ça s'automatise, pas, il faut qu'il y ait un humain qui passe. Et je suis sur toute la France, donc j'ai des intégrateurs sur tout le territoire, je fais du bis avec. Je lui ton modèle économique, il est boisé, tu as 450 projets, mais en fait, tu es, es, es à la solde des promoteurs, donc c'est pas toi qui tiens ton business. Euh, je lui par contre, c'est un petit peu débile parce que... Tu sais exactement combien il y a de prises dans mon appartement. Tu fais, tu connais finalement plein de trucs sur moi. Tu m'installes ma domotique. D'ailleurs, c'est il explique pas mal dans, dans au moins un de ses podcasts. Je crois que c'est celui de Tim Ferriss. Euh, il explique justement les, les problèmes qu'il a dû franchir. Parce que, j'imagine quand même, le mec se dit on va lancer une boîte de thermostats. Silicon Valley, France. What Et qui plus est, comme il dit à l'époque, les thermostats, c'était. Et euh, encore aujourd'hui. Ça venait comme ça avec les promoteurs. Mais Nest, il n'allait pas ouais. passer par les promoteurs parce qu'ils ne sont pas cons. Et parce que les promoteurs, ils te filaient l'un ou l'autre. C'était, tu payais un prix, tu payais deux fois le prix, tu payais trois fois le prix, c'était le même, c'était pas le même. C'était tout magouille et compagnie, c'était des deals d'entreprise à entreprise. Tu sais pas ce que c'est, tu le touches pas, tu le planques, tu mets un, un meuble devant. Et lui, il arrive et quelle a été sa solution tu vas l'installer toi-même, tu auras une vidéo qui te montre quel fil mettre sur quel fil, le rouge sur le rouge, etc. Et il y a un tournevis inclus dans la boîte, et qui est un tournevis spécial et joli. Parce que tu vas devoir le faire toi-même, de toute façon. Et voilà. Les vidéos de Legrand, elles ont 3 ans, mec, elles ne sont pas à jour. Je les ai appelées 0,5 centimes la minute. J'ai appelé le mec de chez Legrand qui m'a envoyé du ping-pong. J'ai l'IT manager d'un client 0, qui 0, voyait en mon poste tu sur veux LinkedIn, m'a appelé. Non, non, 0,5 centimes la minute. Non, c'est pas gratuit, mais c'est. 5, 5 centimes, centimes la minute. 5 centimes la minute, pas 50 5 centimes. C'est pas 0,5 centimes. C'est pas pardon. 10 centimes la minute. C non, 5, pardon, 5 centimes la minute. Euh, le gars, euh, j'ai un IT la manager vieille, qui m'a appelé, qui m'a dit Tu as un truc bizarre. J'ai le gars de la start-up qui est venu. À l'heure qu'il est, moi, je leur dis Mais je m'en fous que ça s'appelle Le Grand Schneider électrique Moi, il faut que ça s'appelle Apple. Il faut que je puisse parler à mon téléphone pour. Faire tout un millier de trucs. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, et évidemment, si tu fais Job to be done, qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui un hein, José Lito J'ai là, derrière, on la devine, une pipistrelle. Il y a quatre ampoules. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai mis des ampoules classiques. La prise me dit, tu es en train de consommer 104 watts. J'ai mis mes petites ampoules un peu plus chères, euh, basse conso, machin. Et mon truc me dit, tu consommes 29 watts. Et là, je suis content de savoir ça. J'allais y venir. Euh, c'est d'ailleurs marrant, c'est la passion de... On n'a pas répété. C'est la passion de Tony Fadel maintenant. Il est sur le... des projets comme ça qui changent le monde, plutôt sur des sujets environnementaux. Et euh, j'allais dire, depuis tout à l'heure et depuis la semaine dernière, on parle beaucoup de faire de problèmes. Si on nous écoute, c'est révoltant. Tu vois on n'arrête pas de se plaindre de, de petits inconforts ridicules pour des choses superflues et totalement inutiles dans l'ensemble. Euh, mais toujours est-il qu'à la fin, tout ça crée une forme de croissance non, pas euh, brasser le vent pour le vent, parce que tout ça, ce n'est pas de la croissance, c'est du gaspillage. Une croissance économique, mais à la fin, c'est du gaspillage. Par contre, tous les problèmes de fond qui sont des transformations euh, de l'économie, transformations de l'activité, euh, je sais pas, tout le temps que tu passes pas dans les transports, par exemple, tout le temps que tu passes pas à faire la queue dans une administration. Tout le temps que tu, euh, toute l'énergie que tu ne consommes pas parce que euh, tu as des choses qui consomment moins, parce que euh, tu consommes de l'énergie électrique qui elle-même va devenir de plus en plus nucléaire ou autre renouvelable euh, et non pas euh, ch charbon, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui ont un impact gigantesque, qui vont changer la planète, qui vont changer la façon dont on vit, euh, qui vont libérer des énergies, des esprits, etc. Et, et le temps que tu ne passes pas à faire la queue dans une administration ou à nourrir quelqu'un qui a un métier inutile comme nous. Euh, tu le passes peut-être à créer des nouveaux produits. Et ces produits, ça peut être un thermostat qui consomme pas de l'énergie quand tu n'es euh, pas à la maison. Euh, euh, plus Philippe, que... il va y avoir des délestages. Cet hiver, ça va être compliqué en sont... France. Non, non, du délestage. L'énergie, ça va être un sujet en France cet hiver. Si, si, si on n'arrive pas au, au, au bout de notre logique pour de vrai. Moi, gamin, oui, oui, j'ai voilà, connu dans un, le, dans un pays en Espagne des moments où il n'y avait pas d'électricité d'eau. On coupait l'eau et on coupait l'électricité dans la journée parce qu'on n'arrivait pas à fournir. D'accord euh, J'en sais rien, mais je me dis, cet hiver, avec ce qui se passe, on peut avoir des, 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 des trucs. Moi, je suis passé d'un appartement 300 mètres derrière mon dos où il faisait, euh, comme aujourd'hui, il fait 31 dehors, bah, il faisait 31 dedans. Pas de choc thermique, hein euh, là, j'ai un système qui a l'air plutôt bien réglé, de air pulsé moderne, je ne sais pas quoi, mais en attendant, il fait euh, 20, 27 chez moi, je suis bien et ça consomme peu d'énergie. J'ai besoin de savoir aujourd'hui, j'ai besoin de visualiser c'est quoi la différence entre 27 et 28 degrés dans mon appartement. D'accord C'est. Le, 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 le truc est là. C'est que, moi je, ouais, je le découvre, hein, Philippe, c'est que qu'un degré d'écart, c'est 7% sur la facture. Et 7% sur la facture, pour moi, euh, alors, il y a une question d'argent. Dans, dans, on est à 300 mètres de différence, bâtiment moderne, bâtiment ancien, il y a 120 ans... C'est pas que de l'argent, l'argent, c'est... Non, 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 on est d'accord. Il y a 120 ans d'écart entre les deux, d'accord. 1600 euros d'énergie par an dans l'ancien immeuble. Et ouais ouais, Philippe. Pas cher. Je vous renvoie à un autre épisode où on parlait des, des, des esclaves. 500 euros psychiques. sur cet immeuble-là. Je vais, je, vais, je vais avoir 1000 balles d'énergie en moins. Mais ça veut dire que je vais moins chauffer les petits oiseaux. Je les aime les petits oiseaux, mais pas au point de leur chauffer les, les, leurs petites plumes, leurs petits culs d'hiver, je m'en fous. Résultat des courses, tous ces trucs-là. Et là, en fait, c'est ce que tu dis en préambule, Philippe. C'est qu'il y a des tas de gens qui passent, qui me disent c'est du smart building. Il y a plein de startups qui gravitent autour. Il n'y en a pas une qui est suffisamment smart pour me dire, José Lito, aujourd'hui, en, en, en faisant l'acquisition de ce bien, en utilisant l'ensemble de ces services, voilà ce que ça va permettre. Donc en fait, tu es en vas train de me travailler dire que as magnifique pour ça. un qui est quand même sorti, mais qui n'a pas été correctement mis en avant par les marketeurs. Non, je leur en parle, ils s'en foutent, ils ne voient pas sortir le truc. Ouais, Et génial. là, un José Lito pourtant, qui a est de comme valeur. ça. Donc là, tu as plus qui, de valeur peux... que ce qui t'a été vendu, c'est ça bah qui oui, est génial. Je peux expliquer dans tout l'immeuble. salut les voisins, moi, mon kiff, c'est ces sujets-là. Euh, euh, pourquoi les voisins viennent me voir aujourd'hui Parce qu'ils ont capté que j'étais un tout petit peu plus geek que la moyenne, que je m'étais déjà consacré à euh, mon accès Internet. J'ai été dans les premiers à avoir la fibre. La domotique, je suis le premier pour qui ça marche à peu près bien. Euh, je suis le premier à m'être intéressé à plein de sujets et donc bah, quand je suis dans l'ascenseur et que je fais mon, mon élévateur si pitch, je leur explique, je dis « Ah bah regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Là, la, 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 la directrice euh, marketing là, de la start-up euh, de réseau social interne, elle m'écoute même pas, c'est-à-dire que quand je lui dis ça, elle est là en train de défendre son produit, ma chérie. Ton Produit, tu es une ancienne RH d'un grand groupe. Retourne faire la RH dans un grand groupe, fais pas de directrice marketing parce que c'est son mec qui est le CEO de la boîte. Mais franchement, si c'était pas sa meuf, le gars il la recrute pas. Sa boîte elle est morte, ils servent à rien. Ils ont ni why, ni what, ni what the fuck. Ils ont que dalle. Ils vont juste à horizon 36 mois quand euh, euh, le contrat devrait être renouvelé et qui vont taxer 11 balles par mois. Je vais les crucifier, je vais leur dire, mais jamais de la vie, cet immeuble-là va vous donner de l'argent. Je suis le mec qui va faire sortir cette boîte de l'immeuble. Je ne veux pas les voir une minute. Ils ne servent à rien, faut qu'ils laissent de la ce place. Tu ne suis... tu sais pas ce que tu retrouves. Je, je veux payer. Non, par contre, le mec de la domotique, Angelo, je lui ai dit, toi, franchement, si tu m'aides aujourd'hui à euh, améliorer ma, ma façon de consommer l'énergie… Mais toi, je te donne 11 balles par mois, mais même plus, 15, 20 si tu veux, c'est pas un problème. Tu m'installais des prises, arrête pas là. Et évidemment, le gars me dit, je dis, on est bien d'accord. Les gars-femmes vont arriver avec des services parce que, en attendant, la petite maison, la home là, kit, ça a été racheté par Google pour ceux qui n'avaient pas suivi. Mais oui, mais en attendant, qui je vois, Amazon, Google, Apple, oui. ces trois-là ah, sont Play, à Alexa, dans ça. la domotique. Alexa, c'est l'entertainment. Ils sont dans la domotique. Mais non, mais non, j'ai acheté Philippe, j'ai acheté deux petites bouboules, la HomeKit. Philippe. Je me suis dit, mais comment Apple peut me vendre un truc si cool Je sais pas ce que c'est. À 99 balles. Je te montre. Il pète pas le micro. Il est plus que moi maintenant, les. C'est beau, c'est quoi On dirait un truc Google. C'est Apple, ça C'est plus joli, c'est Apple. Forcément, c'est bien mieux que Google. Cette petite boîte, cette petite bouboule, c'est une enceinte qui crache un son de dingue. Il y avait un Chromecast gris là qui était bien joli. Ouais. Mais alors ça, t'en as toutes les couleurs. T'en mets dans toutes tes pièces, d'accord et, et puis après, tu dis à, à un machin là que je vais pas prononcer son nom sinon ça il va tout nous péter. Voilà, tu lui dis, bah, mets-moi de la musique, euh, ouvre les volets, baisse les volets, allume la lumière, euh, mets le chauffage, euh, enlève le chauffage. T'as un truc qui est génial pour quand t'as une grande maison, c'est le mode interphone. Donc t'en mets dans toutes les pièces et tu gueules à table Et là, tout le monde entend le message. <laughs> Mais tu peux le dire depuis, euh, depuis ton téléphone, tu peux le, le dire. Tu euh, programmes euh, certaines euh, phrases et cette phrase, il si la reconnaît, il la diffuse ça Non, que... c'est un mode interphone en fait. Non, non, non. Tu, ah, tu, il faut dis, tu dis ta phrase. Tu... Non, ça, non la alors la ça, ça. C'est tout le temps. Ça marche tout le temps. Euh, c'est tout le temps. En bon. permanence. Ouais. Non, non. Quand toi tu, non. Quand toi tu sélectionnes le mode interphone sur voilà. ton téléphone, ah, tu dis ta phrase téléphone. et là ça ah, okay. le donne dans toute la baraque. Et du coup, faut Donc aller tu peux dire à la maison. Euh, sur le téléphone. Ouais, il y a quand même ça. Alors... Et ça en fait c'est un, c'est un, c'est un, un, un pod qui en fait va piloter toute ta baraque, toute ta domotique. Mm -hmm. Et là tu te dis pourquoi ce truc là. À côté de ça, ça crache du son, mais c'est un truc de furieux. Hein. Euh, euh, j'ai des bouses à la maison, j'ai des trucs, euh, j'ai des petites machines bien, hein. je suis habitué à avoir du son qui n'est pas trop trop dégueu. Ce truc-là, 99 balles. Tu dis ah, comment Apple cool. peut me vendre cette chose-là pour le prix d'un accessoire Alors qu'ils me vendent ça 300 balles, pourquoi ils me vendent ça que 99 balles ah, oui, C'est juste que. C'est toi le produit ben, c'est toi le produit. Alors, dès que tu en as deux dans la même pièce, automatiquement, il fait de la stéréo, tu n'as rien à lui demander. C'est un produit de chez Apple. Et là, tu dis en fait, tu en mets plein ta baraque, ça ne coûte rien, c'est joli, c'est super fun. Et résultat des courses, c'est parti. Ils font toute ta domotique, ils vont t'attraper. Apple est en train de faire la même chose dans tes bagnoles. Là, ils sont en train euh, de remplacer ton tableau de bord. Ils ont une idée précise de ce que cherche quelqu'un. Pour, pour ce qui est du why, ils sont pas mauvais, hein, les trois-là. Euh, le grand, ils sont en train de se faire. Ben, ils, ils vont se retrouver un peu comme Orange. Ils vont fournir l'infrastructure. Il n'y a pas de service. Je dois payer. Pour trouver leur téléphone, il faut que je demande à LinkedIn, que j'aille sur Twitter. Et après ça, je regarde des vidéos. Elles ont trois ans. Elles ne sont pas à jour. Et ils te disent Ah non, mais on galère un peu avec les produits de chez Apple. Les gars, vous galérez un peu avec les produits de chez Apple. Mais. Enfin, il y a quelqu'un qui est chez le grand euh, s'occupe de la branche domotique. Je veux bien le job. n'ai hein. <laughs> pas grand chose à foutre hein, pour améliorer le produit. Hein. Sérieux, gars. Tu Donc voilà de comment de tu te retrouves. Philippe, fais-moi le. Ben, tu, je suis convaincu que. Mais bien sûr, c'est quoi le communiqué oh, te presse d'aujourd'hui de la template, domotique? On en fera un ensemble. Grave grave parce Allez, que là tu si dis vous êtes voulez en train cet de... épisode on fera une version courte en, en mode tuto et en mode demo. après ils vont pleurer ouais les GAFAM, ils sont venus ils nous ont ils, ils nous ont niqué bah ouais les gaffes, ils ne c'est pas qu ils sont venus, ils qui sont venus vous ont niqué c'est les mecs ils ont bossé quoi pas grave ils ont demandé des subventions et de l'RGPD pour calmer le jeu c'est non mais tu peux rien y faire là j'ai RGPD ce que tu veux c'est pas possible ils donc, donc moi mon appli bah aujourd'hui mon, mon entêtement c'est de connecter mon appli maison tu sais que et que c'est pas les GAFA qui ils ont leur levier. À la fin, les gens qui trinquent, c'est les startups, les TPE, les PME, qui ne peuvent plus faire des analyses un peu data-driven et qui, qui sont obligés de monter leur coût d'acquisition au bénéfice de Facebook, Google. Donc à la fin, les lois euh, qui sont faites pour euh, handicaper les Américains retombent sur qui Sur l'écosystème startup européen. C'est des branleurs, tu sais quoi, c'est bien fait pour eux les Européens, là c'est des branleurs. Non mais sérieux, sérieux, là j'ai mangé trop de startups en peu de jours, j'en ai pas trouvé une qui tient debout. Quoi. Et c'est pas que les gens ne sont pas motivés, hein, les individus, etc. Je, si, si, Angelo, super franchement, Lono, le gars, il ne mange pas assez d'argent, il n'est pas assez euh, il, il est, pas, il est pas assez fut, fut sur son modèle économique, mais il bosse, il a une équipe au service client, j'essaie de déstabiliser un marmot il n'a il a pas bougé il a mis enfin, non, le, le gamin il s'est mis à la bonne distance je dis que c'est un gamin je peux qu'elle quel âge est là, il avait l'air jeune mais il m'a dit ok euh, tu fais un peu le mec furieux mais gentil mais je sais pas quoi en attendant moi je te dis que c'est comme ça à bester mmh. sauf que angelo il m'a dit euh, euh, à la réunion du lundi matin la réunion du lundi matin le premier truc dont on a parlé c'est le post linkedin de josé lito tirados à york à 11 heures le mec qui m'a appelé ben voilà, tu vois, à à 11h, le gars il m'appelait. À 18h30, ah, yes. il était à la maison. Il a bu une bière. On a parlé business. Et, je, et, 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 et lui, tu lui dis Ok, t'es pas loin d'aller un cran au-dessus. Mais par contre, il n'a pas l'écosystème pour se faire accompagner, pour le booster, pour l'emmener un petit peu en avant. Il est perdu dans son marketing. Il a pris licence subspots. subspot. Il s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Parce qu'une fois que c'était passé de modèle startup 10% à euh, tu vas payer 100%, il a dit Hop, débranche le truc, c'est trop cher. On pas il fait fait pas fait de marketing. Avec Stéphane sur les, j'adore les problèmes avec cette histoire de du... la réunion du lundi. Il était là, hein, Stéphane. Il était là samedi, Stéphane. Il était mort de rire. Il est venu à la maison. Il était pété de rire. Ah, euh, 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 il m'a juste dit, waouh, t'as une place de parking ici, toi Ouais, large et tout. Ouais, euh, tu la loues <laughs> Pourquoi euh, Parce que ça c'est du bise, mec. <laughs> voilà, Stéphane. Ça, bien ça, bien. Les, ça, les miroirs devant l'ascenseur. Donc, Frankenstein, mais c'est toujours le même sujet. Hein. Comment tu fais, Philippe, quand tu as plusieurs acteurs sur la chaîne de valeur qui se marchent sur les pieds et il et, 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 et y a l'utilisateur final Tu fais quoi Tu les bouffes. C'est ce qu'a fait Nest. Il a... Alors, Nest a contourné ils ont trouvé un modèle. Alors, tu te rappelles du business model Canva Ça fait un moment qu'on y joue un peu moins, mais il est là mmh. pour ça. Ouais. Ouais. Et, et puis dans le dans les méthodes Lean aussi, tu toutes les les mappings de chaînes de valeur, etc. Euh, mais ouais, tu les bouffes, tu remontes, tu descends. Euh, la méthode typique des, des Gafa et compagnie, ça a été beaucoup de et de toute l'économie numérique, c'était beaucoup de prendre la relation avec le client et de remonter à partir de là. Et c'est là qu'on a. Il y en a pas un qui m'a qu des Philippe Personne ne m'a proposé un plombier. J'ai appelé une société de déménagement. Ils ne m'ont pas demandé si j'avais besoin d'un électricien et un plombier. Euh, j'ai euh, le, le mec quoi, de ça la Apple CarPlay dont tu parles à l'instant, c'est le cheval de Troie. Mais évidemment ils Là, Lono, ils me disent tu vas. Tu, mail de courtoisie, appel de courtoisie. Ils m'appellent, ils m'envoient un mail, ils me disent tu as besoin de quoi euh, euh, Changer ton adresse postale Nanana, nanana, nanana. Non, j'ai besoin d'un putain de plombier. Je trouve pas un plombier, les gars. J'ai galéré, j'ai laissé mon numéro de téléphone sur plein de plateformes. Je pas réussi. J'ai dû me taper comme un con qui fait de la prospection au début de sa live de commercial. Je me suis tapé les pages jaunes. J'ai téléphoné, téléphoné, jusqu'à ce qu'il y ait un gars qui me dise, salut, je vais me déplacer et je vais tirer un petit bout de, un petit bout de tuyau pour que tu mettes ta machine à laver dans ta salle de bain. J'ai pas trouvé un plombier. Ils ont tous mon adresse mail. On se reparle dans... À la rentrée, qui va m'envoyer un fucking email en me disant José Lito, on a ton nom, ton prénom, ton adresse, ton sexe, plein de trucs sur toi. Dis-nous de quoi tu as besoin, dis-nous comment ça s'est passé, raconte-nous ta life. Viens, on va te faire du jobs to be done, Et on va -là, y a inventer des mecs le service des de Il a de, des fichiers de prospects par ailleurs. Euh, alors, en, dans l'immobilier, tu disais les startups euh, sont nuls ou je sais pas quoi. Euh, on en a reçu, on a reçu Aurélien Dinozio il n'y a pas très longtemps, qui a une petite startup, mais qui monte bien. Euh, dans l'immobilier, dans entre guillemets, euh, qui fait des demandes de permis de construire. Ça s'appelle Algar, ça s'appelait Permettez-moi de construire avant. Donc on mettra aussi le lien ci-dessous, je vous recommande l'épisode. Il m'a raconté plein de trucs en une heure. Tu sens qu'il était speed là, il avait des trucs à faire. Mais je l'ai quand même tenu une heure et c'était bien dense parce qu'il enchaînait. Tu l'as vu d'ailleurs non, je ne l'ai pas vu, mais. Mais euh, même, mais ne regarde pas le. Non, mais parce que je, je, je te le le recommande. Fait. On a je, parlé de aussi. Ouais, c'est des. C des c et il s'en fout, des... en fait. À sa, à sa taille, ils il s'en fout parce qu'il est tout seul. Et son, ouais. son job to be done, il l'a compris. Et ça décharge. Ce n'est pas très compliqué. Le permis de construire, tu comprends où est le problème. Mais malheureusement, tu vois qu'il y a plein de boîtes comme ça où les problèmes ne sont pas si compliqués. Tes histoires de plombier, de machin. Et, et à la fin, tu vois que c'est. Et c'est là que tu vois aussi le. J'avais lu un bouquin sur Steve Jobs qui était Insane et Simple et à fortiori si tu regardes la méthode d'Elon Musk, Elon Musk lui, bon, il va vraiment next level, c'est à dire que lui il va prendre le problème le plus compliqué et le plus évident c'est tellement évident mais tellement compliqué que personne ne l'avait fait Je sais pas, les fusées ça ne se pose pas euh... ouais. tout, tout le monde sait que ça ne se pose pas donc tout, personne ne pose les fusées et pourtant à part la navette spatiale mais ça coûtait encore plus cher et pourtant tu sais mais, mais, tu sais, mais à la fin tu oublies que c'est un problème puisque tu sais qu'on ne peut pas lui, il arrive, il se dit, non, mais euh, les fusées, ça coûte trop cher, c'est con de les jeter à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, il fait, bon, bah faut qu'on les pose. <laughs> puis à la fin, il les pose. Et il fait pareil pour tout, en fait. C'est ça, c'est pareil. On a une batterie, et puis autour de la batterie, on a euh, de la ferraille, et puis après, il y a la ferraille, puis il y a la voiture. Il fait, euh, les avions, qu'est-ce qui fait que les avions ne sont pas chers Au-delà du fait que, contrairement aux fusées, ils se posent, euh, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas de réservoir. Les réservoirs des avions, tu sais où ils sont Dans les ailes. Exactement. Et euh, c'est pas dans les ailes, c'est les ailes. Les ailes, pardon. Euh, les, les ailes. Euh, les, les, les ailes sont des réservoirs réservoir, en fait. C'est la même chose. Ouais. C'est structurel et c'est euh, un contenant. Et bah, il a dit, bon, on va faire pareil pour les batteries, quoi. Ça a mis un peu de temps, hein, mais et puis on en parlait souvent avec Stéphane aussi, euh, les injections. Euh, pourquoi il y a 70 pièces alors qu'à la fin, moi j'ai la petite voiture sur le bureau, là, elle est injectée, elle va très bien, non euh, On peut faire pareil pour les grosses. <laughs> D'où la, la giga fraise, on parlait la semaine dernière euh, quand on parlait des Italiens. Voilà, donc, tout ça pour dire. Euh, restez simple. Et oui, et donc Aurélien, bah, euh, il fait partie de ces gens qui ont compris un problème simple, évident, difficile. Qu'est-ce qu'il fait Bah Tous les jours, il résout son problème simple, évident et difficile. Mais il se dit pas Ah oui, non, mais c'est trop compliqué. Combien de fois j'ai des clients qui me disent Ah oui, oui ça serait super, mais non, c'est trop compliqué. Et puis ils avancent pas. Pourquoi Parce qu'ils se disent C'est trop compliqué. Au lieu de prendre des petits bouts de la chaîne de valeur et de se dire Ok, on en parlait avec Stéphane aussi, on avait ce petit débat sur la vision fantasmée. Bah, c'est ça ton communiqué de presse, ton moi, wow, et c'est ta vision fantasmée. mais En attendant, tous les jours, tu t'en rapproches et ce que tu obtiens au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, Tesla a 20 ans, SpaceX a plus de 20 ans. Ce que tu obtiens au bout de 20 ans de ce rythme-là, pendant que les autres ont passé 20 ans à te dire non, mais c'est trop compliqué, on commencera plus tard ou pas, tu bah, obtiens un truc qui a plus rien à voir et tu tout le monde. Bah, en fait, tu sais que le, le, le... moi, je ne m'étais pas intéressé à ce marché-là en Enfin, c'est pas vrai. En 2014, je m'étais intéressé à la promotion immobilière. Je m'étais fait bâcher par un promoteur à qui j'ai parlé d'invent marketing. Il m'a dit, je n'ai pas besoin de temps pour vendre. Euh, euh, 2014, 2022, je capte. Hein, il a parfaitement raison. Parce que ce qui compte dans la promotion, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Euh, maintenant que tu as résolu ça, en attendant, au demeurant, euh, là, je vois aujourd'hui tous les sujets de rénovation. Parce que je suis vraiment passé du... du bah, j'ai changé de 120 ans. J'ai fait un bond dans le temps de 120 ans en matière de, de, de bâti. Et je vois clairement la différence. Et je me dis, OK, ça, c'est un problème compliqué. On en parle beaucoup en France. Aujourd'hui, on en parle pas partout dans le monde. C'est un vrai problème compliqué. Et en fait, ce que j'ai capté, c'est qu'il y a un a salmigondi d'intervenants, d'interlocuteurs. Chacun n'a rien à foutre de l'autre. Chacun fait sa part, etc. Personne n'essaie de se dire, OK, comment, comment on peut modéliser l'ensemble de la chaîne de valeur <laughs> et de se dire et maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on met et c'est ce que tu dis et, 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 après, et moi leader. je réponds si, si toutes ces gens n'ont pas de les gars femmes qui vont prendre voilà. le bordel si, si, si toutes les boîtes qui sont sur cette chaîne de valeur sont un petit peu à égalité personne a vraiment l'incentive de prendre le lead ou en tout cas vraiment le, est prêt à s'y mettre pour plein de raisons ou n'arrive à s'y mettre ou n'arrive à prendre le lead donc tout le monde doit se mettre d'accord mais quel incentive ils ont à se mettre d'accord à part toutes sortes d'aides d'état etc mais du coup, ce genre d'incentive type aide d'État, en général, on sait comment ça finit. Ça finit en harcèlement pour le compte formation. Voilà, tu, tu vois le genre. Et subvention à la oh con ouais. pour écrire Smart devant Building. Parce que c'est innovant. Et puis qu'on veut être innovant, euh, Startup Nation, tout ça. Donc je caricature, évidemment, mais il y a quand même beaucoup de ça. Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive et qui éclate tout le monde et qui dit, eh, bah, maintenant c'est moi le boss et vous, vous êtes des surtraitants et ma chaîne de valeur qui déboîte, avec ma vision fantasmée qui déboîte, euh, pour coller à mon produit génial que j'ai écrit dans mon, dans mon press release formidable 5 ans à l'avance, et ça fait 5 ans que j'arrive et que vous ne m'avez pas vu venir. Maintenant, vous êtes mes surtraitants et vous prendrez les miettes qui restent et vous le ferez à ma façon. Et ça sera autre chose que la franchise, euh, tu vois Moi, j'aimerais bien t as, t as hein, que ça soit une boîte montpellier du BIC, hein, mais euh, je ne les vois pas. Il hein, y en a 600 là, je ne sais pas ce qu'ils foutent, hein, mais euh, ils s'adressent si à des ça. problèmes salade, tomate, oignon, crème fraîche, là, kebab. Gafamt, euh, Gafamt parce qu'une boîte comme Tesla, typiquement, ils font de l'énergie, ils font de la clim, et ils ouais, font ouais. énormément de logiciels. Ouais, ouais. Donc, rien ne te ouais, dit ouais. que dans 10 ans, c'est Amazon qui gagne ce combat et pas Tesla. Hein. Parce que, comme tu l'as bien dit, la partie « why » c'est l'énergie. C'est pas euh, baisse mes volets. Mais, mais si ça, ça peut sortir à 99 balles, c'est que ce qu'il y a autour. Parce que ça, j'ai la version d'avant, d'il y a quelques années, euh, qui était là. j'ai pas besoin d'aller loin. Et ça, valait, et ça valait 300 balles. Ça, 300 balles, ça, 99. Tu peux me la faire dans n'importe quel sens. Hein. Au niveau son. C'est kiff, kiff, bourriquot, mais ce qu'il y a là-dedans, c'est juste que c'est tellement intégré dans mon écosystème Apple que, que je réfléchis même pas. Euh, J'avais du Deezer, maintenant je suis passé sur Apple Music, allez, t'es 10 balles, recurring revenu. Pourquoi Parce que Deezer, il y avait une petite friction avec ça, euh, Apple Music forcément, il n'y a pas de friction. Euh, ma nana rentre un soir. Ah. Chaîne de valeur. Euh, iTunes, c'était le même cas. L'iPod, pareil, t'écoutes bah ouais, les épisodes avec même. Ils dé... Ça fait des mois que je les envoie chier. Ça y est, ils m'ont mangé. Ils m'ont euh, mangé 10 balles St par Steve mois. Est-ce que de tabouret à trois pieds Because Vas-y, vas-y. Vous euh, avez iTunes, euh, le, le hardware, le software, un truc comme ça. Ah, euh, yes. Software, ah, ouais. distribution, je ne sais plus, mais il y avait l'histoire du tabouret à trois pieds parce que tu ne peux pas avoir une expérience euh, qui qui colle à ce qu'il y avait dans le press release, euh, l'expérience magique, et c'est quand même ça que les gens aiment chez Apple, c'est le côté magique. Moi, je suis pas très, je suis un peu trop geek pour vraiment être fan des, de la, la magie d'Apple, mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui, qui n'aime pas comprendre la, tec la technique et la technologie, mmh. euh, ouais. quelque chose comme Apple a ce côté un peu magique. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose de magique là, mais d'un point de vue ingénierie, mais parce qu'il a été bien traduit en termes de produit c'est cette machine, là, euh, le M1. Donc là, c'est avant tout de l'ingénierie, mais le package fait que... C'est pas juste un objet te techniquement impressionnant. Je fais vraiment mon meilleur travail avec quelque chose de très léger qui tient toute la journée sans être branché, sans chauffer. Et, et ça, tu peux l'écrire dans un presse Et derrière, ça redevient un problème très simple et très compliqué à exécuter, euh, comme on disait juste avant. Mais tes ingénieurs, t'as pas besoin de leur rappeler en permanence. Euh, Steve Jobs micromanageait un peu au début, mais la carte mère, si elle était un peu plus comme ça, ça serait plus joli et tout. Bon, à un moment, ça marchait pas, il a compris. Euh, mais... Mais par contre, quand tu as dit au mec, non, non, je veux un truc qui tient toute la journée, qui ne chauffe pas, euh, et Merci. qui est léger dans la main, et Merci. puis je pense que pour faire ça, tu vas te mettre sur la même architecture que les téléphones mobiles, euh, parce que notre vision à 20 ans, c'est celle-là, bah, ton ingénieur, il a compris. Et il bosse, et il bosse, et il bosse, il bosse et il, il bosse. Il bosse, il gagne. fait des progrès. Il fait des progrès. Pendant ouais. ce temps-là, celui est... qui est en réunion à côté, euh, chez Asus, ou je ne sais pas où, euh, c'est plus compliqué. Quoi. <laughs> ouais, c'est ça. Eh ben, écoute, euh, en attendant, moi, cette expérience de. de... Euh, déménagement, emménagement, cuisine, domotique, smart building, etc. Euh, je continue à, à, à discuter dans l'ascenseur avec tous mes voisins. Euh, J'essaye de comprendre pourquoi j'ai un voisin new-yorkais qui atterrit atterri à Montpellier. Je vois pas pourquoi. Ça m'intrigue. Oui. Tu sais que euh, New York est pas. au sud de Montpellier. J'essaye je, de capter <laughs> pourquoi euh, il vient là. J'essaye de capter pourquoi chacun est en train d'arriver. Dans cet écosystème, en fait, c'est marrant parce que c'est une petite ville, 76 logements, ça fait un peu de monde, ça fait une espèce de petite ville verticale. Et, et pour moi, en tout cas, ça me fait kiffer parce que je suis toujours en mode et pourquoi Et pourquoi tu fais ça Et c'était quoi les événements J'ai vu cet immeuble se construire, j'ai vu le trou, j'ai vu que c'était un parking de dealers avant. J'étais là, j'allais dire avant tout le monde, ça fait 8 ans que je vois ce truc, j'habite là maintenant et je me dis Pourquoi toi tu viens de là Pourquoi tu arrives de Paris Et toi, pourquoi tu arrives de 5 km euh, je pense qu'on fait partie des, des rares dans l'immeuble, je confirmerai bientôt, à avoir fait 300 mètres. Euh, <laughs> on était, était les plus les proches. Puissant. Ouais, mais c est, c est, c est, c est, tu vois, et, et j'ai vraiment le sentiment de faire du marketing. Là, je me dis, OK, pourquoi vous tous vous arrivez à cet endroit-là, à ce moment-là Qu'est-ce qui a attiré votre attention C'est quoi votre, votre pourquoi là Pourquoi maintenant euh, euh, Alors, On revient aujourd'hui. On a jamais fait Mais c'est ce délirant. On a, on, on a, on a, si a des différences. On, on, a, on, a, on a deux mondes différents. Entre le premier étage et le 16e étage, c'est pas le même niveau de vie. Euh, donc, euh, euh, on, a, euh, on parlait souvent dans le Jobs to be Done, mais, mais voilà, j'ai ma voisine en face, elle est passée de 120 mètres carrés à 90 mètres carrés où elle met ses meubles. Euh, euh, ils n'ont pas prévu d'espace. Pré... Tu vois, ils ont prévu une espèce de. de... De petites terrasses collectives où on peut organiser des apéros de, de voisins, mais qu'aucune start-up va mettre en place. Je vais m'y coller. Mais ils n'ont pas prévu un endroit où on peut stocker pendant un temps quelques affaires, quelques cartons. Euh, là, ma voisine, en échange ah, de mes services sur de l'IT, m'a dit "Bah euh, ben ouais, mais j'ai un box, José Lito. Euh, euh, je dis Parce que j'ai deux trois trucs que je vais revendre et j'aime bien revendre dans les cartons d'origine. Je veux pas les jeter m'a dit ah ben attends tes cartons, tu peux les mettre dans mon box euh, mais là jobs to be done il y a des personnes qui ont déménagé pour plus petits ils ont, elles ont quitté des maisons il y a plus de jardin mais il y a des terrasses donc elles peuvent quand même planter des tu as des petites plantes des machins des bidules c'était pas très compliqué de laisser un espace disponible surtout qu'on a une partie qui n'est pas louée dans l'immeuble au rez-de-chaussée euh, donc ce, ce pour moi, il y a toujours cette notion de, 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 de parcours client, parcours d'achat, jobs to be done, qui tourne de customer. Tu vois, on est tout le temps dedans, dedans, dedans. Et là, c'est fascinant de pouvoir le faire à la taille d'un immeuble, c'est super fun. Bah, la voilà ce que j'ai foutu cette de semaine. jobs to be done pour la peine. Euh, et ouais, un jour, on pourrait faire un journey map euh, en, ensemble. On n'avait pas dit qu'on le ferait, ça. Mettez un commentaire si ça vous tente. C'est ce que ça un Allez. Googlez-le. <laughs> à la prochaine. Étant. A la semaine prochaine. Bye bye.